Alors bonjour et bienvenue sur Xbox Actu pour la partie 5 de Sonic Frontier. Alors je précise, hein, donc forcément si c'est la 5ème, il y a 4 parties disponibles sur ma chaîne YouTube en replay. Donc n'hésitez pas à aller les voir, mettre des likes et tout, puis vous abonner, ce serait cool, j'essaye d'atteindre les 200 abonnés. Ce serait excellent. Là je précise, j'ai fait un petit bond dans le temps, j'ai joué un peu hors ligne, histoire d'avancer parce que j'ai fait tous les trucs un peu redondants, aller chercher les trucs, aller chercher les petites boussoles et tout. Voilà les trucs, et vous voyez là ce qui vole en haut là, l'espèce de mille pattes. Je pense que je vais devoir me battre contre lui, donc ça va craindre un petit peu. Donc alors attendez, hop, et là j'ai un truc à faire avant, bien sûr, comme d'habitude j'attends que tout le monde arrive. Hop, et là je pense que c'est le boss du lui, ça doit être le boss, je pense. Ah, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié si on m'entendait bien, d'ailleurs. Alors, le son, tout est bon. C'est bon. Tout est good. Bon, allez, on y va. Comme dirait l'autre, trêve de discussion. Donc là, en fait, il y a des alliés qui viennent de faire ce gros trou ici pour que je puisse passer de l'autre côté. Bon, j'ai augmenté la vitesse de Sonic, hein. Je suis tombé. Bon bah là je me suis raté. Je me suis raté. Dommage. Alors, il faut que je regarde. Alors, obtenir des clés pour les portails. Ok, donc là j'en ai pas besoin. Bah il faut que j'aille là de toute façon. Ah, il me faut des clés de toute façon. Donc allez, on va avancer par ici de toute façon. Ah, je vais peut-être aller juste là, ouais. Ah, il y a quelque chose en bas. Donc ça, c'est pour révéler la carte, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les premières parties, c'est ce qui permet de révéler la carte du jeu. C'est où? Wow, il faut que j'aille tout là-bas. Bon, bah, ok. On va essayer. Ouh! Oh, c'est bon, c'est fait, c'est fait. Yes! Mérine, comment ça va, mon ami? Ça va bien? Merci à toi d'être présent. Ah oui, j'allais oublier. Pam, 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 pam. Pour ceux qui ne l'ont pas encore... Ouais, ça va super. Écoute, petit live un peu imprévu. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, pour ceux qui l'ont pas fait, Mérine, toi je sais que c'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Objectif 200 abonnés, ce serait vraiment super cool. Ça encourage la chaîne et ça m'encourage aussi parce que, voilà, j'investis du temps et de l'argent, c'est le cas de le dire. Ah, une énigme. Pam 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 pam.
Bam. Voilà, je révèle encore un peu la carte. Ah, bah ça fait plaisir. Eh, franchement, c'est un bon moment, ça. Ah, voilà, j'ai découvert des choses. Bon, par contre, j'ai hyper avancé dans le jeu. Hein. J'ai dû avancer une heure et demie facile. Hein. J'ai jamais eu lui, alors je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Bon, je l'ai amélioré, hein, Sony. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah voilà. T'es abonné, c'est déjà ça, tu sais. Et comme je t'ai expliqué, hein, les likes et tout, j'ai compris à peu près l'algorithme YouTube. C'est que c'est simple. Ce sont pas les abonnés vraiment les plus importants. Ce sont les likes et les commentaires. Et t'as des likes et des commentaires, ta vidéo sera beaucoup plus mise en avant. Alors, ah bah ici il y a quelque chose, là il y a quelque chose à prendre aussi. On va aller là parce que je crois que... Est-ce que je peux l'avoir celui-ci? Yes! Bah voilà! Allez! Non, 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 pas obligé! Pas obligé! C'est... On va dire au moins 5 minutes, ça c'est sûr. Il faut au moins regarder 5 minutes et après c'est surtout les likes, c'est genre tu mets, voilà, tu regardes, tu dis c'est génial, c'est de la merde, bon c'est mieux de dire que c'est génial. Parce que tu vois, je prends des abonnés et je fais Ah, mon record de combo c'était 97, je vais essayer de le battre. Voilà, c'est battu. J'ai battu le record. Ouais, c'est vrai que sur ma chaîne, t'as... Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah bah voilà. Ouais, puis après, bah c'est surtout que... Bon, honnêtement... Je propose beaucoup aussi, hein, c'est ça aussi qui se passe, hein. Ouais,
Cool, j'aurais pas besoin de recommencer. Oh, mince. Voilà. Voilà. Ça, c'est Sonic comme on l'aime. Allez, lâche-moi! Yes! Voilà! Ouais, après, voilà. T'as du retard, mais c'est pas grave. Alors. J'ai une note pourrie. Voilà, comme ça, en faisant ça, je gagne des clés. Et des clés qui me permettent de récupérer des Chaos Emerald. Alors, est-ce qu'avec la clé que j'ai, je vais pouvoir récupérer des nouvelles Chaos Emerald? Une nouvelle. Eh ben non. Alors, du coup, là, si je vais là, ça m'amène où, ça? Oh, faut que je les prenne. Ils sont importants, là. Eux, ils me permettent d'augmenter ma vitesse, ma puissance. Ah, ça, ce sont des jetons pour la pêche. Raté. Oh bah, on va parler à Knuckles, on va bien voir. En tout cas, j'espère que ça te plaît bien ce que je fais. Bon, de l'XP, ça sert plus à rien, hein. Ah, j'ai raté, je recommence. T'es pas censé y aller? Ah.
quel côté. Voilà. Là. Ah ouais, mais Sonic, on est d'accord, Sonic, c'est... On était des bébés. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre, j'avais vu ici, voilà. Ici c'est fait, hein. Ouais, c'est fait. Mais par contre, j'ai pas toujours pas fait ce que je devais faire auparavant. Alors, on va regarder ce que j'ai dans le coin. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On va essayer d'aller voir ici. Qu'est-ce que c'est ? Ici. Qu'est-ce que c'est ? Un ennemi à abattre. Est-ce que je peux passer par là ? Oh. On va voir. Wouhou. Alors ces jetons là, il faut les prendre parce que ce sont des jetons pour la pêche. Est-ce qu'on peut faire des parties de pêche dans le jeu ? Bah voilà. C'est au bon endroit. Allez, on va dévoiler la carte. Eh, hey, salut. Salut, enquête d'histoire. Bah écoute, honnêtement, bah, tu peux demander à Mérine. Bah là, c'est la partie 5. Hein. Ah, j'ai pas regardé où je devais aller. Écoute, honnêtement, beaucoup l'ont cassé. Mais à mon avis, beaucoup n'ont pas dû y jouer, en fait. Le jeu, moi, je le trouve vraiment sympa, quoi. Ah, j'ai raté mon coup. Oh, c'est pas grave, je recommence. Je recommence. Oh, après, ouais, je peux toujours retenter. Allez, on tente. Moi, je le trouve sympa, le jeu. Il est pas... Ah, bien sûr, hein, je veux pas mentir. Hein, il est pas dingue. Mais c'est un jeu vraiment sympa. Si ça te tente, j'ai déjà, je suis à mon quatrième, cinquième let's play. Oh bah j'ai réussi. Alors attends, je regarde. Hein. L'exploration est-elle sympa? Au final, tu traces sans explorer. Non, justement. Alors au début, quand tu commences le jeu, franchement, tu peux demander à... Ouais, voilà, c'est ton deuxième, ouais. Au début, toi, tu dis, allez, vas-y, je speed, je fais pas attention, je m'en moque et tout. Mais après, tu t'aperçois que si tu fais ça, bah, dans le jeu, tu vas pas avancer, en fait. Tu vas pas du... Si tu fais comme ça, t'avanceras pas dans le jeu. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il faut... Il faut retrouver plein de petits endroits cachés,
des coins de pêche. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher peut-être, c'est peut-être une certaine petite redondance. Tu sais, voilà ça je l'ai fait un milliard de fois quoi. Et vu que tu débarques sur le jeu, toi, pour te faire une idée, là, ce que je ramasse... Ah oui. Là, ce que je ramasse, en fait, ça me permet d'augmenter ma vitesse. Toi, en bas à gauche, tu as 26 sur 99, 10 sur 99, tout ça. En fait, tu as l'attaque à 50 sur 99, la défense en bas à 50 sur 99, 26, c'est ma vitesse, et 10, c'est ma capacité à avoir des pièces sur moi. Qui me permettent de me faire beaucoup plus toucher. Tu vois, là, je suis à 304 sur 455, mais je peux monter à... Je pense que je peux monter à 999 pièces, ce qui fait que je peux me faire toucher 4-5 fois sur un boss. Au lieu d'être là comme un... Tu sais, comme n'importe qui. Ok. J'ai fait ça. De toute façon, il faut que je gagne des pièces, donc... Et tu vois, mon premier avis sur le jeu, quand j'ai joué les deux... Si tu regardes mon premier gameplay et tout ça sur le jeu... Bah, je vais avoir tendance à dire... Ouais, je suis déçu, tu vois. Et au final, quand tu pousses plus, tu vois, quand tu t'arrêtes pas à... Oh, je me suis trompé. Quand tu t'arrêtes pas au jeu simple, toi, le jeu il est vraiment sympa. Parce que toi, ces trucs là, c'est... Bon, je me suis fait avoir deux fois. Ces trucs là, tu les fais pas tout le temps. Après oui ça va vite hein Sonic, ça c'est une certitude par contre. Mais toi contrairement à tout ce que j'ai pu lire dans la presse, tout ça, voilà, je suis désolé hein, mais au risque de revenir dessus, je pense que les gars, la presse ils ont dû jouer 2h30, 3h au jeu et ils ont dit le jeu c'est de la merde. Voilà, et il faut vraiment Sonic, il faut pousser beaucoup plus. Regarde là, d'ailleurs il faut que j'aille voir ce gars là, donc je vais aller le voir pour augmenter. Ah bah non, je vais peut-être plus aller là. Toi en fait, il faut que j'ai, ce sont des endroits où je dois révéler la carte en fait. Et c'est moi qui speed après, hein. T'as différents types d'ennemis et tout. Regarde là, genre lui. Lui, regarde. Hop. Lui, il va balancer des trucs. Et il faut que j'arrive à l'atteindre sans taper les bombes. Voilà, je l'ai eu. Et ça me permet d'ouvrir les portails. Si ça je le fais pas, toi, si j'explore pas, si je vais pas voir tous ces systèmes, et ben j'y arrive pas. Là je vais aller là, on va voir. Et il y a plein de petits bonhommes. Alors moi j'appelle ça des routes. Ah oui, ça c'est celui. Je crois que j'arrive pas à le faire celui-là. Ah j'y arrive pas celui-là.
Alors faut voir. Ouais, comme d'hab. Attends. L'explos du mystère. Ou pas. Ouais. On te récompense si tu écris. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est. Voilà, c'est exactement ça. Bon, là, ça, celui-ci, je sais que j'y arrive pas. J'ai déjà essayé 4 ou 5 fois. Ça. C'est ça, c'est. Tu peux faire le jeu tout droit si t'en as envie, hein. Rien ne t'en empêche. Mais en gros, tu vas avancer moins vite. Le jeu sera beaucoup plus dur aussi. Faut pas se mentir. Alors du coup, je vais chercher un autre endroit. Celui-là, par exemple. Parce que t'as des petits. Moi j'appelle ça les petits personnages, je les appelle les Koros là. Et bah si ça, tu les recherches pas, si tu recherches pas les Koros, toi là par exemple, ça là, bah je fais comment pour l'avoir si j'explore pas. Et les Koros, ça te permet d'augmenter ton personnage aussi. Regarde-toi là, je vais essayer de voir pour révéler la carte pour te montrer comment ça va. Les critiqueurs du JVC. Attends, hein, je regarde juste après. Merci à toi pour ton message en tout cas. Alors je sais même pas ce que je dois faire. J'ai pas regardé. Ah oui. D'accord. Voilà, et là du coup ça va révéler la carte. Parfois c'est une énigme, bon assez simple en général. Poum poum poum. Voilà, et du coup ça me révèle beaucoup plus la carte et ça me donne des endroits où je dois aller pour trouver les fameuses clés. Et toi ça je suis pas obligé de le faire. Si j'ai pas envie de révéler la carte, je la révèle pas la carte en fait. Bah il est où le truc? Ah il est là. Il est devant moi. Toi, si j'ai pas envie de révéler la carte. Je le fais pas en fait. Qu'est-ce qui m'oblige à le faire? Mais sans ça, parce qu'en fait, il faut savoir aussi, c'est que quand tu déverrouilles des lieux. Ah bah tiens, lui, il faut que j'aille le voir. Quand tu déverrouilles des lieux, ça t'ouvre des rampes, j'étais en train de chercher le mot. Ça t'ouvre des rampes auxquelles tu n'as pas accès si tu n'as pas exploré la zone. Et la vitesse aussi, toi, regarde, toi, eux, ils sont cachés partout. Là, je l'ai ramassé. C'est-à-dire que si j'explore pas la carte, eh ben, je l'aurai jamais, lui, en fait. Je l'aurai jamais trouvé. Et ils sont cachés, disséminés un petit peu partout dans le jeu. Lui, j'en ai vu 2 sur 4, donc c'est pas lui. Vers là, hop. J'essaie de gagner un petit peu de temps. Voilà, du coup, ça va m'amener à lui. Et là, tu vas voir les petits bonhommes que j'ai ramassés. Ah, là, il faut que j'y parle. Les petits bonhommes que j'ai ramassés. Eh ben ils vont me servir. Regarde. Alors attends, je regarde. Alors, excuse-moi. Alors, Jade67. Alors, les critiqueurs de JVC sont des rageux. Il n'y a que les Français qui n'aiment pas le jeu. Et quand tu vois les avis sur le stream, tu vois que les gens ont mis que des avis. Je suis entièrement d'accord. Oui, sur Steam, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jade. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le jeu est beau, cela fait plaisir de retrouver Sonic. J'ai commencé avec celui. Ouais, moi aussi j'ai commencé avec celui sur Master System et Mega Drive. On est des vieux, nous sommes des vieux malheureusement. C'est dingue des avis aussi tranchés qui pénalisent le jeu. Qui sont. Ouais, voilà. Je suis sûr que beaucoup de presse ont été payés par les tiers du jeu vidéo pour décrédibiliser le jeu, qu'il se vende moins. Et comme par hasard, en même temps. Ouais, non, je suis un peu d'accord. On met des 10. Je fais aussi le gameplay de God of War, hein, Ragnarok.
Il est bien God of War Ragnarok. Dire qu'il est nul, c'est un gros mensonge, mais c'est God of War 2018 en un peu plus beau. Après, ça reste God of War, moi j'aime bien. Mais je trouve que Sonic, les gars, je vous dis, hein, moi c'est ma cinquième partie de jeu là, que je fais en stream. Je le dis. Mon premier stream, mes deux premières heures, j'ai dit, oh merde. Ah, je suis déçu. Toi, encore une déception, toi, voilà. Et après, j'ai continué. J'ai dit, bah non, j'ai acheté le jeu, je continue, je joue. Et arrivé à 3-4 heures, quand on commence à comprendre les mécanismes, qu'il faut chercher, qu'il faut vraiment aller dans tous les coins de la carte, qu'il faut révéler tous les systèmes de la carte, qu'il faut augmenter son personnage et tout, qu'il faut augmenter Sonic, sa vitesse, sa force pour taper plus fort, et ben on prend beaucoup plus de plaisir et on comprend plus ce qu'est le jeu, en fait. Je pense pas à la question complot. Ah oui, bah après, ouais, il y a une histoire de marketing, hein, ça c'est clair. Hein. Et là, donc, tu vois, regardez, ça c'est des trucs que je ramasse. Et lui, il va augmenter ma force. Voilà, ma force et ma défense. Les espèces de petits cœurs rouges que je récupère. Bon, là, hein, je peux changer ma vitesse contre des rings, mais non, ça, moi, je touche pas. Non, je pense surtout que les gars, en fait, ils avaient God of War Ragnarok, ils ont reçu God of War Ragnarok, ils ont reçu Sonic Frontier, ils ont dit, de toute façon, Sonic, ça fait plus de clics, ça fait plus de vues, et ben, on va pas s'embêter avec ça, on va consacrer notre temps à God of War, et voilà ce qui s'est passé. C'est que les gars, ils se sont dit, je peux pas te parler ? Ça, c'est le système, c'est le système d'exploitation, hop, d'exploration. Regardez, si, vu que vous n'étiez pas sur le premier live, et ben, hop, et là, attendez, je fais un truc parce que je pense que il est possible que vous entendiez mon chat. Hop, et là, voilà, c'est mieux. Alors, attendez, je regarde hein, la. Et pas les mêmes moyens, oui, pas les mêmes moyens du tout, les gars, ouais, bah, je suis entièrement d'accord, ouais. On est dans du Sonic, cela va à fond la caisse, identité du jeu, ouais, bah voilà. Et il y a des niveaux bonus, tout ça, où vraiment on joue à l'ancienne. Bah là, dans ce stream, au début, il y avait ça, un niveau un peu à l'ancienne, c'est pas mal. Par contre, je suis d'accord que ce Sonic doit encore être... Oui, ah oui, alors il a des défauts. Il a des défauts, parce que voilà, comme tu le dis, Jaïd, franchement, il y a des gros problèmes de ce côté-là. Il y a du clipping. D'ailleurs, là, je suis sur Series X, et il y a des choses qui sont clairement pas normales. Enfin. Les gars, l'argumentaire optimiser Series X, il faut pas le mettre pour le mettre en fait, toi. Moi j'ai regardé, des EMB y jouer et. Ouais, le E, si je les bats pas et que je dis ah, je les zappe, et ben ça, je récupère pas tout ça et du coup, je peux pas m'améliorer. La version, ouais, franchement, alors j'ai regardé un peu. Alors après, j'ai regardé des replays, j'ai regardé des personnes qui jouent sur YouTube. Donc il y a la compression sur Twitch, il y a la compression comme là. Hein, le jeu, il est vraiment beaucoup plus joli. Il est vraiment beaucoup plus joli quand vous y jouez. Alors je peux pas, je vais aller là. Il y a quoi ici? Le jeu est vraiment plus beau. Ah bah lui je peux peut-être, non je peux pas encore. Je vais aller là. Le jeu est vraiment plus joli, mais par rapport au standard du moment, voilà, regardez là par exemple, regardez les ombres, hein. Voilà là les ombres, là, les ronds là que j'ai, là les ronds, bah regardez. Ils vont disparaître, voilà, je m'éloigne, ça disparaît. Je me rapproche, ça réapparaît. Là, les ronds, là, ceux-là. Et ça, c'est pas normal. Et
C'est un jeu qui va vite. Alors des fois, vous êtes là, vous jouez tranquille. Vous jouez tranquille et puis vous vous retrouvez avec un clipping horrible. Mais ça n'enlève rien au plaisir du jeu. Hein. Attention, hein, je le précise encore une fois. Ça n'enlève rien du tout au plaisir du jeu. Bon, du coup, je me suis rééloigné. Et vous voyez là, par exemple, toutes les rampes, là, ça, la grande rampe, ben, en fait, les raccourcis sont faits comme ça. C'est-à-dire que avant il fallait que je cours tout le chemin et tout, voilà. Tandis que maintenant, j'ai le raccourci et du coup, avec le raccourci, eh ben, je gagne du temps. J'ai raté mon coup. Parce que quand on regarde après, le jeu il est super fluide. Ah, c'est là alors? Ah oui, mais là, ça je crois qu'elle va me dire tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas prêt. Que je ne suis pas prêt. Reviens quand tu le sauras. En quête d'histoire, idem. La map semble bien grande. Oui, et à savoir, je précise. Attends, ça je quitte. Voilà. Ça c'est la map d'un niveau. Là, je suis dans le monde 2. C'est la map du monde 2. Il y avait la map qui était aussi grande pour le monde 1. Et je crois que si je dis pas de bêtises, il y a 4 ou 5 mondes. Là, pour l'instant, je suis au deuxième. Donc, tu vois. Et là, il y a toute cette partie de carte que j'ai pas révélée. Donc, je partirai bien ici, explorer pour voir si je peux pas. Ah, bah là, par exemple, là, ça me dit qu'il y a un. Bah, on va aller là. À mon avis, ça va révéler cette partie. Ah, bah voilà. Ça me le dit, voyez? Ça me dit. Voilà, ça va me révéler toute cette partie de carte. Ça me le dit. Il est de quel côté? Il est là-haut? Ok. C'est dans l'autre sens. On va aller par là. Mais après, pour les plus anciens. Oh, il y a un truc là. Ah non, c'est fait ça, je crois. Ouais, pour les plus anciens d'entre vous, malheureusement, aujourd'hui, les journalistes font des vidéos, les journalistes font des trucs, mais... Ah ouais, ça, je crois que je peux pas le faire. Là, il faut que je marque un but. Le premier, il est facile. Ah voilà, il faut que je fasse ça. Allez! Allez! Yes! J'ai réussi. J'ai réussi. Ouais, les... Alors, à chaque fois, les maps... Vous voyez, ça, je suis pas obligé de le faire. Et du coup, hop, ça me révèle la carte. Ça va me révéler des choses. Ça va me révéler des endroits. Et du coup, je vais récupérer ça qui va me permettre d'augmenter ma défense. Et là, regardez. Il était pas là, ce truc. Et maintenant, hop, et là. Je vais beaucoup plus vite. Pour avoir accès à la zone. Et toujours fouillé. Et hop, et là, même dans l'eau, il y a des trucs. Alors attention, hein, Sonic. Sonic, comme vous le savez, hein, dans l'eau, il meurt. Hein. Et là, du coup, je vais regarder dans quel côté il faut que j'aille. Derrière moi. Donc là, on va aller là. Là,
Là, ici, c'est fait. Et si jamais ça vous tente, les gars, bien sûr, hein, comme d'habitude, moi, j'impose rien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai mis le lien. J'essaie d'atteindre les 200 abonnés, alors je fais les vues. Vous voyez, bah, par exemple, un exemple tout simple. Bon, moi, je suis tout petit, hein, je suis ridicule, hein, je suis une petite crotte, quoi. Mais j'ai 150 abonnés. Et sur Sonic, sur les 4 vidéos, je dois faire un peu plus de 1500 vues. Je fais des jeux comme Miraculous, je fais vraiment de tout, hein, je fais de tout. Et je fais vraiment de tout jeu. Miraculous, je fais 4000 vues. A Plague Tale, j'ai fait j'ai fait 4 vidéos où j'ai dû faire à peu près 13 000 vues. Alors que j'ai que 130 abonnés. C'est des jeux qui sont pas assez mis en avant parce que, bah voilà. Comme vous le dites, comme on le dit, God of War, bah, si tu écris en grand God of War Ragnarok PlayStation 5, parce que là, moi, c'est double sanction, hein, c'est double sanction parce que je fais le jeu. Ah, bah, il faut que j'aille là en fait. Voilà. Je fais le jeu et en plus de ça, je le fais sur Xbox Series. Alors là, moi, je mets Sonic et Xbox. Vous savez comment ça se passe en France, hein. Moi, il n'y a pas de guerre, hein. Moi, j'ai une PS5, j'ai une Switch, j'ai une Series X. Donc il n'y a pas de jalousie. Ah ouais, non, ici il y avait quelque chose. Ouais. Moi, il n'y a pas de jalousie, moi je suis un joueur, basta. Est-ce que je peux aller... Est-ce que je peux y aller par là? De toute façon, quand on est joueur, on est d'accord. Alors, à beau fait, idem pour ceux intéressés perso. Moi, j'utilise le JV dans mon taf. Et donc je fais des vidéos pour les présenter. Ah ouais, ah t'as une chaîne... Si t'as une chaîne YouTube, n'hésite pas à me le dire. Moi j'irai m'abonner direct. C'est ce que je dis, hein. Oh merde. Oh oh. J'ai raté mon coup. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah ouais, voilà exactement, on s'entraide. Bah écoutez, les personnes qui passeront sur ma vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir donc jeux vidéo en classe. Ah non, tu utilises le jeu vidéo en classe, c'est ça? Tu utilises pour les étudiants. Pas les élèves, quoi, les étudiants. Je vais te confier mon fils, il apprendra un peu plus comme ça. Non, je me plains pas, il taffe, Mais ah bah tiens, je l'ai pas fait celui-ci. Ah bah voilà. Hop, du coup je récupère des petits pépères. Élève étudiant aussi, ouais. Attends, dis, ça s'appelle comment ta chaîne? Parce que j'ai bloqué les liens, donc normalement, tu pourras pas... Donne-moi le nom de ta chaîne, comme ça je mettrai le lien moi-même. Et je l'ajouterai dans la description de mon replay. Jeux vidéo en classe. Alors attends, je vais voir ça tout de suite, hein, d'accord? Alors, jeux vidéo en classe. Apprendre en s'amusant. Attends, alors hop, jeu vidéo en classe. Ah, j'ai oublié le X. Jeu vidéo en classe.
filtre. Chaîne. Moi, je veux la chaîne. Voilà. Ah, enquête d'histoire. C'est ça? T'as 178 abonnés, c'est bien ça? Hein, c'est ça? T'as 178 abonnés? Hop, bah du coup, tu sais quoi? Du coup, t'auras 179 abonnés. Voilà. Et Mérine, n'hésite pas à t'abonner, histoire voilà, lui faire franchir le palais des 180, ce serait cool. Tu vois, c'est l'entraide en quête d'histoire. Mais on a perdu notre ami là qui était avec nous au-dessus aussi, il parle plus. Bon, d'accord, ils sont en train de me demander de. Ça, c'est le tuto en fait. J'ai réussi. Alors, allez, je m'abonne aussi. Le partage. Mais ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu vois. Ah bah regarde, voilà, regarde toi, tu parlais du vieux Sonic. Et tu peux demander à Mérine. Hein, moi, je suis pas rigolo. Hein, franchement, on est là. On prend juste du plaisir à jouer entre nous, tu vois. Ah, j'ai pas vu. Je suis mort. Merci à toi, merci à toi. Ah, j'ai raté mon coup. Ça s'appelle la chute. Ah, les fameux checkpoints. Voilà, c'est passé.
Waouh, j'avais pas assez de vitesse. En tout cas, j'espère que la découverte de ma chaîne te fera plaisir. Alors, ma chaîne YouTube, elle me sert uniquement pour des replays, hein, je précise. Bah, comment ça se fait qu'il y va pas? Alors, attends, je regarde ce que tu me dis. Ma dernière vidéo était sur Playtel d'un point de vue historique, ma cam perso, yes. Vraiment sympa, ces passages de D3D, bon je crois que je vais le prendre à 40 balles. Ouais, voilà, il est à 41 euros je crois. Il est à 40, 42 euros chez Amazon je crois. Et tu peux même peut-être être éligible à avoir 5 balles de remise, je sais pas trop quoi. Il y a un truc comme ça. Ouais, les jeux sont à 80 balles, ouais, c'est clair. Ouais, je fais pareil. Je sais pas si le stream sur YouTube n'est pas aussi sympa que Twitch. Alors, moi, je fais beaucoup plus de vues sur YouTube que sur Twitch. Avant, c'était l'inverse. Mais je fais beaucoup plus de vues. Enfin, on se comprend, je fais pas un million de vues, hein. Mais je fais plus de vues. Et j'ai pourtant beaucoup moins d'abonnés. C'est amusant. Après, le problème de Twitch, c'est que si t'es pas là à l'instant T, je sais pas pourquoi ça veut pas. Je vais faire un magnifique résultat tout pourri sur celui-là quand même. Toi, tandis que YouTube, ben, si t'as envie de regarder YouTube à minuit, tu regardes YouTube à minuit. Si tu veux regarder YouTube à 1h du matin, tu regardes YouTube à 1h du matin. À 14h, ben, y a pas d'heure, quoi. Là vraiment je comprends pas. Je vais pas assez vite en fait. J'ai pas assez de vitesse. Sonic il a pas assez de vitesse. Je ne comprends pas le problème. Bon, de toute façon si jamais ça bloque, je vais pas m'embêter. Hein. Je comprends pas là, vraiment là je l'ai pas. Parce que même en vitesse normale ça passe pas. Bon sinon je quitte hein. On va pas s'embêter hein, je vais pas mourir. Pas passer 5 heures sur ça. Il monte pas. Je sais pas ce qu'il a. Bah non, il n'y a pas d'item. Il n'y a pas d'item pour speeder, toi. Pour speeder, il n'y en a qu'un. En fait, c'est la gâchette RT. Il n'y a pas un truc. Ah. Non, ça, ce sont des pièces. Bon, on peut pas se mettre en super Sonic, tu sais, genre, tu sais, comme dans les vieux Sonic où on arrivait, on se mettait en boule. Et là, je vais faire ça, on va voir. Voilà, ça tombe. Bon, alors, j'espère que ça réapparaît. Non, en boule, on peut pas. Toi, avant, on pouvait faire. Toi, on pouvait faire ça. Ah! Tu viens dans les vieux Sonic, c'était ça, c'était tu pouvais faire
Je sais, j'imite très bien le bruit du... Ah! Ah, peut-être ça alors. Attends, alors... Ah ouais, là... ouais, je maîtrise la... Bon, je vais tenter encore une fois parce que là, ça fait 8 minutes que je suis sur le truc, ça me dégoûte un peu. Bon, pour me quitter de niveau, hein, je ne vais pas m'éterniser ici pendant 3 heures. Je ne sais pas, alors peut-être que je ne vais pas assez vite. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Je vais peut-être pas assez vite. Je suis pas assez rapide en fait. De toute façon, mon objectif c'était d'aller là-bas, donc c'était pas d'aller ici. Bon là, du coup, il va me dire tu n'as rien eu parce que tu es complètement nul. Voilà, j'aimerais bien aller, voilà, pour ce stream, pour cette partie 5. Tu vois ça, comme je disais tout à l'heure, je suis pas obligé de le faire. Ah, voilà. Ah bah là, il y a des ennemis. Mais si je le fais pas, bah je récupère pas les items, donc... Ça, de base, Sonic, il le fait pas. Hein. C'est une compétence que t'obtiens, justement, en explorant... Alors, oh, c'est là-haut. C'est là-haut. C'est là-haut. Comment j'y vais? Oh, à mon avis, c'est là, 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 là. Et là-haut. Bon. Je vais regarder des fois qu'il y a un truc en bas, parce que des fois il y a... Il faut bien fouiller aussi, hein, parce que toi ça par exemple, hop, tu vas fouiller. Bon, ça te donne soit des pièces, ou soit ça te donne des compétences spécifiques, ou des fois ça te débloque des secrets. Ah bah tiens, lui, j'ai jamais réussi à l'avoir, on va voir. Bah ouais, bah moi aussi, de toute façon, là, je fais ça, et malheureusement... Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Ah! Et quand la barre de combo elle est à fond, on part en frénésie. Et là, la Sonic il frappe tout. Là. Ah bah là, j'ai bien raté mon coup. Ah bah tiens, c'est bien la première fois qu'il me touche, tiens. Ah! Je l'ai eu quand même. Tu vois, regarde, hop. Lui, je le bats pas, j'ai pas ça. Donc du coup, je peux pas ouvrir plus de portails.
c'est un cumul de choses, hein, c'est un cumul de choses. Bah tiens, allez, on va en tuer un petit dernier pour la route, allez. Bon, malheureusement, l'XP que je gagne maintenant, elle sert plus à rien parce que j'ai tout boosté, donc voilà. Bon, allez. Bon, en tout cas, moi, je vous dis... de toute façon, je m'arrête là, hein, pour la partie 5. Donc, en tout cas, en quête d'histoire, merci beaucoup. J'irai découvrir ta petite chaîne. Sur ma chaîne, n'hésite pas à mettre des petits likes, des petits commentaires en disant c'est ce que t'en penses, hein, si c'est bien, si c'est nul, si c'est bof, si c'est génial. Parce que c'est ce qui te permet... alors, c'est un conseil pour toi. Demande aux gens de faire ça parce que... plus tu auras de likes, plus tu auras de messages, plus tu auras de commentaires, et ben plus tu pourras, tu seras mis en avant par YouTube et par conséquent ça augmentera tes vues. Voilà, bon allez, ben en tout cas merci beaucoup pour les abos, merci beaucoup de votre présence. On se retrouve très très vite pour du God of War, du Asterix XXXL, du Police Simulator aussi. Je vais faire un simulateur de police. Callisto Protocol, il y aura encore plein de jeux. Allez, moi je vous dis à très vite et surtout mettez des likes, abonnez-vous, mettez des commentaires, c'est super. Objectif 200 abonnés pour la fin d'année. Salut, merci beaucoup, à très vite.